canadienne, québécoise, française, suisse, belge pour reproduction afin de peupler la race extraterrestre et éthérien. Oui, est-ce que c'était? Oui, éthérien. Alors donc, écrivez-lui. L'adresse courriel se situe juste en bas de l'écran. Tu peux pas bouger. T'es pris là. T'es coincé là. Jusqu'à la fin de tes jours, mon champion. Fait que là, même si bonjour, monsieur, bonjour, la lunette. Mais... Et puis là, jusqu'à la fin de tes jours. Mais là, là, si t'essayes de te lever, ben là, on va te voir. Puis surtout, tu vas te récupérer. Visuellement, là, t'es facilement saisissable, toi, là. La police va être à tes trousses avec un siège au niveau du fessier, là. C'est très simple, ça, là. Attention, personne ne bouge. Ben ouais, on peut pas bouger de même. Comment tu peux arriver à mouvoir avec un genre de sarcophage à billes? Moi, c'est ça, c'est comme Toutankhamon, moi. Mais à vis, puis à roulette. Un Toutankhamon à roulette. Ah, saint bon. Attention, public, auditeur en délire, parce que là, faut amener la fin. C'est comme ça que ça finit, là. Pas vrai, pas avec un sarcophage, pas avec la... Ben oui. On peut pas faire ça autrement, là. Comment tu veux finir intelligemment? Comment tu veux être intelligent, toi? Ben là, on sait pas. Quand on l'est pas, comment tu veux, hein? Comment tu veux, hein? Comment tu veux être intelligent, toi? Ben, moi, je sais pas, là, mais j'aimerais bien que les gens se disent, ah, quel être exceptionnel, merveilleux, extraordinaire. Mais... Après cette émission de 2 heures, ils vont se dire, bon, c'est pas grand-chose, les races canadiennes, puis ils vont se poser la même question que vous, hein. Comment tu veux être intelligent, toi? Ben, j'aimerais être intelligent par mon intelligence, par ma matière frise, qui frise le ridicule. Moi, j'ai une matière qui frise le ridicule. Et vous, toi? Comment tu veux être intelligent, toi? Ben, je sais pas. Moi, arrête de me poser la question, ma répondre, attends. Toi, t'es comme tous les intervieweurs, les gens qui posent des questions. Laisse-moi parler, moi te vider la question, mais si tu poses tout le temps la même autre affaire. Tu veux être intelligent, toi. Ben, c'est ça. C'est pas avec toi que je vais être intelligent, avec toi, je vais avoir l'air d'un imbécile. Ok? Comment tu veux être intelligent, toi? Bon, hey, moi, là, on peut-tu le sortir, ce gars-là? Pouvez-vous, c'est qui cet individu? Comment tu veux être intelligent, toi? Ça, là, ça a pris. Ben, oups. Avant tout. C'est un journaliste, on peut pas dire autre chose, un journaliste qui a étudié dans une université quelconque à Québec. C'est-tu encore contingenté, le journalisme à l'université? Comment tu veux être intelligent, toi? Non, regarde, entendre ça, là, on laisse n'importe qui faire n'importe quoi, puis on laisse poser des questions avec des hurluberlus. T'es-tu un être intelligent venu d'ailleurs? Comment tu veux être intelligent, toi? Ben, je sais pas, mais pas avec toi. En tout cas. Attention au public, auditeurs en délire, l'errance rénadienne explose en dehors des sentiers radiophoniques. Oui, mesdames et messieurs, grâce au travail effréné. de votre rénal gagné adoré, nous filmons les montées inusitées, les variations. Comment tu veux être intelligent, toi? Ouais, c'est ça. Alors, pose encore la question, toi. Alors, pose encore, tu vas passer à travers la vitre. M'a payé la vitre, mais tu vas passer à travers la vitre. M'a payé la vitre. Ça coûte comment une vitre comme ça? 2 piastres, 2 piastres et demi? C'est en quoi ça? C'est en plastique? C'est pas en verre, ça? Calvaire. C'est en verre, hein? On va l'essayer. Peux-tu présente-moi ta tête? Un peu comme lorsque tu es. Es-tu né par le bassin ou la tête? Toi, à t'entendre, tu dois être né par le bassin. Parce que t'as la laine aussi fraîche que le bassin. Sans bassin. T'es un sans bassin. Oui, mesdames et messieurs, grâce au travail effréné de votre rénal gagné adoré, nous filmons les mondes inusités, les variations extravagantes et nous vous les dirigeons jusqu'à vous via le cybernétique au www.ckrl. Errance rénadienne, oui, c'est ça. Il y a un peu là. Parce qu'on dirait que je suis plus intelligent, moi. Comment tu veux être intelligent, toi? Je sais pas. Je ne sais pas. www.errancerenadienne.blogspot.com. Et je ne vous le mime pas. Parce que moi, Marceau est mort, hein, en voyant mon mime préféré rendre l'âme, moi-même, j'ai écrasé sur le mimétisme. Les grandes significations par les bras, par la tête et par la mimique. Ou vous clapotez sur gargle.fr et là, je me pose la question. Comment tu veux être intelligent?
déjà à toi. Ben, je sais pas. www.gargoyle.fr et vous entrez Errance Rénaldienne. Les courts-métrages vidéographiques arborent des titres aussi étranges que la composition des œuvres filmiques. Pour cela, je vous invite à vérifier 1, 2, 3 à vos claviers. Et puis, ben écoutez, on se quitte en pleurs et sans doute à la semaine prochaine, si tout va bien, si on m'a pas expulsé avec des questions aussi intelligentes que... Comment tu vas être intelligent, toi? Je sais pas. Je cherche. Mais je ne trouve pas. C'était Rénal Gagné. L'Errance Rénaldienne se termine à 18h. Nous revenons à des émissions plus normales, plus... Non, pas singulière, non. Dans la tradition de CKRL, alors on va vous élever le quotient après 18h.